Dans le noir, comme ça. Écoute, salut Radburger pour le RPG Awake de cette semaine avec Bruno Boy. Bruno, c'est des écureuils, des ratons laveurs. C'est pas grave, c'est en même famille. Ouais. Puis ça ressemble aussi, je me méprends. Ouais. C'est bête. Je voulais juste. Bon, ok, la question point de non-retour, c'est une question d'aller trop loin ou que tu sais. Moi, ça m'est arrivé surtout quand j'étais plus jeune, ça. Et surtout quand j'étais plus jeune, d'être obligé de réaligner le tir. Puis j'étais du genre assez extrême quand j'étais plus jeune. À un moment donné, là, je me rendais compte que j'avais donné beaucoup de choses aux joueurs. Fait que. J'étais du genre, mettons, dans une game de partie de Donjons Dragon, ben, tu sais, j'étais du genre à réaligner le tir avec, mettons, un deck of many things. Hein, tu sais, là, tu sais que ça va brasser les cartes, ça. Ça, ou carrément un voleur qui vient, fou, les stripper de 3-4 items magiques importants. Ah, que ça les enrageait. Ça, là, tu veux enrager des joueurs, là. Ben, tu les strips d'items magiques. Tu leur enlèves des items magiques. Ah! Oh! 16 ans en rage, là. Puis là, tu vois, là, dans leurs yeux, là, ils sont pas contents, là. Et que c'est drôle. Mais, c'est extrême. C'est très extrême. Parce qu'aujourd'hui, je te dirais que je suis pas... Je suis beaucoup plus modéré. Puis c'est un peu pour ça que je calcule beaucoup mes affaires. Tu sais, dans une autre vidéo, avant, je parlais de comment je mesurais mon budget d'XP pour les... Mais, j'essaie de me projeter beaucoup dans le futur, savoir mes joueurs... Où je veux qu'ils soient, ou du moins quel calibre je veux que les joueurs soient pour devenir prêts à tel niveau, pour être à tel endroit de l'aventure ou à telle circonstance. Puis, ben c'est pour ça que j'essaie de m'y tenir. J'essaie de m'y tenir. J'essaie aussi de miser sur une espèce de rareté des items magiques. Moi, là, je l'ai toujours dit, là, les espèces de Magic Item Shop. C'est quelque chose qui me... Je sais qu'il y a des gens qui disent ben ça dépend du setting, il y a des endroits que c'est très, très commun, tout ça. Mais moi, je suis pas... oui, j'en conviens, là, mais je suis pas du genre à aimer ça. Je suis plutôt low fantasy. Fait que quand je joue à Pathfinder ou à Donjons et Dragons, je joue un peu contre nature. Parce que, tu sais, surtout quand tu vas jouer dans des systèmes où est-ce que... Puis, tu sais... On s'entend, là, que ce soit les modules du commerce, les personnages ou les opposants dans le module, dans les modules du commerce sont boostés au bouchon. Là. Fait que, tu sais, ils ont des items magiques par demi-douzaine. Et des affaires, des fois, que tu disais, boy. T'es pas trop sûr de toi. Fait que, bref. Ah, je me souviens d'une game, écoute, j'avais peut-être 12 ans, puis là, c'est pas glorieux ce que je vais dire là. Il y avait un de mes joueurs qui me gossait solidement avec son personnage. Mais tu sais, rendu là, c'était un bonhomme qui était overboosté. Overboosté, puis tu sais, là, il y avait... Écoute, puis à un moment donné, je m'étais tanné, puis j'ai comme... Ils ont battu mon dragon. Fait que j'avais envoyé la famille de dragons en arrière, juste pour y faire un peu fermer la gueule, pour vous. Mais j'aurais pas dû faire ça, c'était pas cool, c'était pas... c'est mal. C'est non Danny, méchant Danny. Puis, tu sais, je pense que c'est la seule fois que c'est arrivé, là, mais... j'étais vraiment sorti un peu de mes gonds. Là, je pense que j'ai dépassé les bombes, parce que les gars, il y en a une couple quand j'ai rencontré qui m'en parle encore, là, pour cette game-là. Tu sais, ça fait extrêmement longtemps, là, tu sais, on te dit, on était... J'étais au début du secondaire, là, tu sais, je commençais à apprendre un peu comment... Ben, ça faisait déjà un bout de maîtriser, mais si j'apprenais comment bien maîtriser, ben, tu sais, il y avait des ratés un peu. Ben, voilà, c'est ma réponse pour le... oui, j'ai déjà réparé, dérapé, j'ai déjà été trop loin, mais, tu sais, il y a toujours des moyens de balancer. Sauf que c'est là que quand t'arrives avec un... Il y a des jeux qui s'y prêtent moins à ça. Je te donne un exemple. Mettons que tu joues à... bon.
cette question-là est très, très, très. Elle ressemble beaucoup à. C'est beaucoup une question qui va se poser pour du Pathfinder, pour du Dungeon and Dragon. Parce que le niveau, l'espèce de d'expérience, ainsi de suite, il est plus relatif quand tu vas arriver dans des endroits comme dans d'autres jeux, où il n'y a justement pas de niveau. Parce qu'il y a plus de l'expérience que tu vas dépenser, que tu vas booster ton bonhomme un peu d'un bord puis de l'autre avec ça. Tu sais, je pense à Cyberpunk. Mettons que je te donne un exemple, Cyberpunk. Mais tu sais, Cyberpunk, ça m'est déjà arrivé là, que mes joueurs sont obligés de run it back, de sauver, parce que il avait clairement pas le niveau d'être là. Il avait clairement pas l'équipement, la préparation, la compétence. Mais tu sais, c'était pas aussi flagrant que. C'est pas aussi flagrant dans certains jeux que dans Donjons & Dragons. Tu sais, tu vois, t'es level 2 puis je te mets des level 8 contre toi. T'as même pas l'ombre d'une chance. Tandis que dans certains jeux où est-ce qu'on est plus. Parce que c'est moins des niveaux, mais tu sais, tu vas moins le voir, ça. Tu vas voir que les gars, c'est étape par quoi, OK? Souvent, l'assaut frontal, ça sera pas la bonne solution dans ce genre de situation-là. Fait que voilà. C'était ma réponse. Bonne journée.